Eh ben on y va, c'est parti, on attaque. Allez, croisez vos doigts, bonne petite rotation des poignets. C'est bon, Aurélie ? Ça s'affiche bien ? Allez, let's go. Allez, grand cercle de bras. On amène bien les bras près des oreilles. Hop, un bon cercle. Dynamique pour bien échauffer les épaules. On change de sens. Un bon cercle. Hop. Tac. Très bien. Les mains au niveau des hanches. Allez, un bon cercle de hanches. Dynamique. Tac. Hop. On change de sens. Un bon cercle. Très bien. Allez, vous pouvez attraper un haltère. On place l'haltère ici sous le menton. Les pieds larges. On fléchit et on pousse. Allez, tranquillement. Hop. On fléchit les jambes. On dirige la rotule en direction du petit orteil. Donc on ouvre bien les genoux vers l'arrière. On est sur un squat large ici. Donc écartez bien les pieds. L'haltère juste sous le menton. Toujours à votre rythme. Ça c'est important. Vous gérez bien vraiment le rythme de chaque exercice. C'est votre séance. Hop, parfait. Une petite dernière. On ramène les pieds. On amène l'haltère derrière la tête. On ramène l'haltère poitrine. Derrière la tête, poitrine. Derrière la tête, poitrine. Hop, hop. Derrière la tête, poitrine. C'est ça. Boum, boum. On est bien gainé, donc genoux souples. On serre bien les abdominaux. Dernière fois, soulevé de terre. Les pieds écartés, largeur des hanches. On descend l'haltère vers les genoux et on se redresse. Vérifiez bien. On a le dos bien droit. D'accord ? On sort la poitrine, on a le dos bien droit. On recule les fesses vers l'arrière. Et on remonte. Donc reculez les fesses, fléchissez un tout petit peu les genoux pour pouvoir garder eh bien, ce dos vraiment bien droit. Hop, tac, et on remonte. Allez, encore. C'est ça, on redresse. Une petite dernière. Allez, vous pouvez attraper les deux haltères, un tirage pour le dos. Toujours les pieds écartés, largeur des hanches, on fléchit les jambes. Dos bien droit, on tire les coudes. Allez, c'est parti. Hop. Boum, on sort bien la poitrine, on tire les coudes vers le haut, on est bien en appui sur les cuisses, hein, ça permet de soulager le travail au niveau des lombaires, on sort la poitrine, donc ouvrez la cage thoracique, contractez le dos, tirez les coudes bien vers l'arrière, une petite dernière, hop, parfait, on se redresse, push-up, on pose un genou, puis l'autre, on écarte les mains, on descend la poitrine entre les deux mains et on pousse. Allez, c'est parti. On inspire, on contrôle et on pousse. On contrôle, on amène bien la poitrine entre les deux mains. Là, je prends bien appui, je serre les abdominaux et on se redresse. Hop. On contrôle la descente. On pousse. Inspire. Hop. Allez, encore trois. On contrôle. Une petite dernière. Très bien, parfait, on se redresse, on attrape les deux haltères, hop, on balance les haltères, allez, notre swing, donc fléchis, lève les fesses, fléchis, redresse, fléchis, lève les fesses, fléchis, redresse, donc on incline le buste vers l'avant, et on essaye d'avoir un bon balancement, donc je fléchis, je lève les fesses, je fléchis, redresse, je fléchis, je lève les fesses, je fléchis, je me redresse, hop, et là ça va tout seul, on a un bon mouvement de balancement. Donc cherchez à bien lever les fesses quand vous avez le buste incliné vers l'avant. Hop, on garde les épaules bien basses. Hop, on se redresse bien. Ça va faire monter un peu la température, hein, cet exercice. Tac, allez encore une petite dernière. Très bien, attrapez un seul haltère, si c'est des petits, vous pouvez garder les deux. On échauffe les biceps, flexion de bras, hop, genoux souples, parfait. On reste en haut, cercle au-dessus de la tête, à droite, à gauche, cercle, cercle. Allez, dernière fois, droite et gauche, très bien. On pose l'haltère, petite course sur place, hop,
Tac. Épaule basse, donc une partie en faux, une partie cardio, hein. C'est ce que l'on va enchaîner. Option marche, hein. Donc vous choisissez à chaque fois les options avec impact ou sans impact, hein. D'accord ? Au choix. Hop. Les épaules basses, on sent bien la poitrine, on active un petit peu les bras. Hop. Respirez par le nez. Hop. Continuez. Hop. Et bien, parfait. Hop. On serre les pieds, on serre les genoux. Cercle des genoux ici. Hop. Continuez ce cercle pendant ce temps-là. Je vais en profiter pour changer mon chrono. On change le sens des cercles. Hop. On se stabilise, dos rond, dos creux, dos rond, dos creux. On sort la poitrine, le regard loin devant. Parfait, et on se redresse. Très bien, chien. Allez, attrapez un haltèr, un seul. On attaque nos deux premiers mouvements. L'haltère ici, sous le menton. Squat, on reste en bas. Cercle derrière la tête. On pousse, cercle de l'autre côté. Hop, on descend, squat, cercle dans un sens. On pousse sur les jambes, cercle dans l'autre sens. Squat, cercle. Hop, on pousse, cercle. Squat, cercle. Hop, hop. Si c'est deux fois dans le même sens, c'est pas grave, hein, d'accord ? Vous inversez tout simplement après. Ok, très bien. On pose l'haltère. Pour le cardio, c'est très simple. C'est deux pas à droite, talon-fesse. Deux pas à gauche, talon-fesse. D'accord ? Là, ici. Hop. Option avec un galop, c'est-à-dire une petite propulsion ici. Hop. D'accord ? Talon-fesse. Hop. Talon-fesse. Hop. Talon-fesse. Et option, bien sûr, toujours marche. Un bon déplacement. On fléchit bien les jambes. Tac. Très bien, chien. Eh bien, on y va. C'est parti, chien. On attaque notre premier boost. Je lance le chrono. Attrapez un haltère. Les pieds larges, les genoux bien ouverts. Squat. Cercle. On pousse sur les jambes. Cercle. Squat. Cercle. On pousse sur les jambes. Hop, cercle. Allez. Donc, on ouvre bien les genoux. D'accord ? Donc, on est très large au niveau des jambes. On ouvre les genoux à l'extérieur. On dirige la rotule en direction du petit orteil. D'accord ? Venez engager ici vos fessiers. Hop. Et hop. Très bien. On pose l'haltère. Galop. Là, ici. Tac. Donc, option sans impact. Et sinon, on rajoute ici tout simplement le galop. Hop, talon-fesse. On fléchit. Encore. C'est la première partie, hein. Dernière fois. Très bien, chien. On attrape l'haltère. Deuxième partie. On se place. Squat très large. Squat. Cercle. On pousse, cercle. Dans le cercle, il faut être gainé. D'accord ? Donc, on engage bien la sangle abdominale. On amène bien les bras vers l'arrière en gardant bien cette sangle abdominale vraiment bien engagée. Hop. Hop. Et ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne. Dernière fois. Très bien. Galop. On pose. Faites attention à toujours à vos haltères. Hop. Là, ici. Si ça va, on rajoute les bras. On allonge les bras loin devant et on ramène les poings tout simplement à la taille. Option bien sûr avec notre petite propulsion. Hop. Allez, on bouge, on bouge. On se déplace et toujours bien sûr en option sans les bras. Très bien, chien. On attaque. Squat, troisième tour. On se place. Let's go. Toujours bien sûr à votre rythme, hein. D'accord ?
Donc vous pouvez être plus rapide, plus lent que moi, il n'y a pas de souci. Hop. Allez. Allez. Super. Galop. On pousse sur la jambe. Pousse sur la jambe. On allonge. Allez. Plus loin encore. Plus loin. Allez, on pousse. Dernière fois. Quatrième. Dernier tour. On se place. Let's go. Allez, allez, galop, allez, on pousse sur les jambes, on allonge, plus grand, plus rapide. Terminé. Allez, on marche un peu tranquillement. Très bien. Attrapez vos haltères. Hop. Tac. Alors, on recule pied droit, on balance les haltères. Alors j'ai un retour de son, je vais le couper. Parfait. On recule pied droit, on balance les haltères vers l'arrière. On revient, curl biceps, flexion de bras. Je recule pied gauche, je balance les haltères vers l'arrière, curl biceps. Je pivote complètement vers l'arrière, curl biceps. Je pivote complètement vers l'arrière, curl biceps. À droite, je lance. Hop, et à gauche, je lance. Donc si je me mets comme ceci, on lance bien. Je lance comme si je voulais vraiment lancer le plus loin possible. Hop, mes haltères, boum, et on revient. Une dernière fois, boum, hop, et on revient. Parfait. Hop, notre cardio, corde à sauter. Donc ça peut être en marchant, d'accord, en montant un petit peu les genoux, ou alors mode corde à sauter, hop, les tout petits pas, rapide, les abdominaux gainés, hop, avec les épaules basses. Bien, on attaque ça. Allez, c'est parti. On attrape les haltères, curl biceps, on balance à droite, je recule pied droit, je pivote complètement et je reviens. Curl biceps, prise marteau à gauche, je balance et on revient. On lance, on y va tranquille hein, pour ce premier. Pivotez bien vers l'arrière, on tourne complètement le bassin, la poitrine vers l'arrière et je reviens en flexion de bras. Hop, je lance devant, je balance et on revient. Je lance devant, je balance et on revient. Parfait. Hop, corde à sauter. Hop, là ici. Boum. Allez, c'est parti. Hop. Hop. Option, toujours marche. Hein. Et si ça va, eh bien on y va. On peut très bien combiner. Hein. C'est-à-dire repartir. Hop, en corde à sauter. Et terminer en marche. C'est OK. Hein. Hop. Très bien. On attaque. Le deuxième, on fléchit les jambes, on attrape les haltères, curl biceps, je balance, hop, prise marteau. Hop, on revient prise marteau, hein, là ici, curl biceps, comme si on tenait un marteau, hop, à deux mains. On lance fort vers l'arrière. L'objectif, imaginez, c'est de lancer les haltères le plus loin possible. Plus vous allez chercher à les lancer loin, plus ça va vous demander de l'engagement dans la sangle abdominale. Parfait. Hop. Corde à sauter. Let's go. Go.
Allez, c'est parti. Maximum de tours. Maximum de tours. On accélère. On attrape les haltères. Prêt? Allez, c'est parti. Allez, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Dès qu'on est devant en prise marteau, boum, je balance. Et loin, loin. Dernière fois. Hop. On commence facile, facile. Hop, c'est parti, go! On accélère. On attaque. On se place. Allez. Boum. Allez. Dernière fois. Cardio. Prêt. Go. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Allez. 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 On accélère. On accélère. On accélère. On a fait 3, on a fait 4. Je sais plus. Comme je sais plus, on refait un tour. Hop. On attrape. On a fait 4? On a fait 4, Aurélie? C'est le quatrième? Allez, c'est pas grave, on a rajouté un petit cinquième, si c'est le cas. Allez, go! Ça s'enchaîne, on enchaîne. Allez, on lance bien, on pivote bien, tournez bien. Parfait. Cardio. Go! Allez, petit pas rapide. 10 secondes. On accélère! Trois, deux, un. Bien! Ok, on le fait sans les haltères, on le fera avec haltères juste derrière. Reculez le pied gauche, d'accord, donc on fait un petit pas derrière. C'est un soulevé de terre, imaginez vous avez les deux haltères en main. Soulevé de terre, j'incline le buste, j'ai les genoux un peu fléchis, le dos bien droit. Je me redresse, j'avance pied gauche, je monte main gauche au plafond. Je recule pied gauche, soulevé de terre, j'avance pied gauche, main gauche au plafond. Je réfléchis, j'amène à chaque fois l'haltère au niveau de l'épaule. Là, ici, je reste compact, soulevé de terre. J'ai reculé le pied. J'avance le pied, j'amène l'haltère au niveau de l'épaule. Là, je suis compact. Boum, et on pousse. D'accord? On fait la même chose avec haltère. Donc, pied gauche derrière. Genou souple, dos bien droit, soulevé de terre. Je redresse, j'avance pied gauche, je fléchis, je pousse. Ça se fait dans la foulée. Hein. Là, je le décompose, mais après, ça va vraiment s'enchaîner. Je recule pied gauche, soulevé de terre. Je fléchis, compact. Donc, hop, rentrez vos épaules, pousse. Compact, on garde la poitrine haute hein, ici. Et on se redresse. Même chose, hop, pied droit derrière. Genou fléchi, donc je descends. J'ai les genoux fléchis, j'ai le dos bien droit. Je me redresse, pied droit devant, compact, je sens la poitrine, je pousse, j'ai toujours la poitrine haute, bing, je ramène. Soulevé de terre,
j'avance pied droit, pousse. Soulevé de terre, ça s'enchaîne comme ça, boum. Je recule le pied, j'avance le pied. Je recule le pied, j'avance le pied. Dernière fois, je recule, boum. Ok, parfait. Notre cardio, 3 sauts, droite et gauche. Donc je fais un saut à gauche, un saut à droite, un dernier, run. Course sur place, 3 sauts, 1, 2, 3, run. 1, 2, 3, run. Ok, option, je déplace sans impact et marche sur place. Ok, on y va, c'est parti. On attrape les haltères, on commence avec le pied gauche derrière, d'accord. Soulevé de terre, j'avance pied gauche, poitrine haute, pousse. Soulevé de terre, hop, et on pousse. On y va, c'est parti. Hop, boum, tout de suite. J'incline le buste, je pousse. J'incline le buste, j'explose. Hop, l'haltère vers le haut. On incline, boum, on explose. On incline, on pousse dans le talon avant, on explose. Dernière fois, boum! Très bien! Notre cardio. 1, 2, 3, et on run. Tranquille. Puis quand vous le sentez, vous repartez pour les 3 sauts. Et on run. Option, pas, 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 et marche. Hein. Allez, c'est parti. 3 sauts rapides, hein. Run, et puis quand vous le sentez, vous repartez, hein, d'accord. Pas besoin de compter les runs. Très bien, chien. On attrape les haltères, pied droit derrière. D'accord, soulevé terre, j'avance pied droit, je monte la main droite. J'incline, je pousse. J'incline, je pousse. Et je suis compact. Imaginez, la resserrée compactée. C'est comme ça que je suis, en fait, dans la poussée, d'accord. Je me redresse, puis hop, je me compacte. Et je pousse. Donc je me resserre comme si vous avez froid, puis que hop, vous essayez de vous compacter pour vous réchauffer. On pose. Cardio. 1, 2, 3. Run, on monte bien les genoux. C'est parti. Boum, boum, boum. Rapide dans les genoux, d'accord? Rapide dans les genoux. Très bien, on attrape les haltères, pied gauche derrière. Dès qu'on est prêt, c'est parti. Soulevé terre, compact, pousse. Soulevé terre, compact, pousse. Boum. Inspire, souffle. Inspire dans le soulevé terre, souffle dans la poussée vers le haut. Et boum, hein. On pète le plafond à chaque fois. Hein. Compact, boum. C'est explosif. Très bien. Dernière fois. Cardio. C'est parti. Quatrième, dernier round, pied droit derrière. Allez. Dernière fois. Cardio. Go. On termine par le run. Thank you.
Ok. Ici. Alors, vous pouvez prendre qu'un seul haltère ou les deux. Les pieds au sol, l'haltère posé sur le bassin ou les deux haltères posés sur le bassin. D'accord ? Vous pouvez commencer avec une seule haltère. On a deux montées de bassin. Un, deux. Ensuite, on attrape l'haltère et on allonge les bras. Le but, c'est d'allonger les bras vers l'arrière pour activer les dorsaux. Et on ramène l'haltère au niveau du bassin. 1, 2, 3. Donc, faut vraiment, on n'a pas les bras fléchis. Hein. D'habitude, on le fait parfois bras fléchis pour engager les triceps. Là, ici, il faut vraiment allonger hop, les bras que l'on ait 2 ou un haltère. J'allonge, hop. Et on ramène. Deux montées, deux bassins. Encore. Ça va demander beaucoup de gainage au niveau des abdominaux, surtout si on a lourd. Hein. On va avoir tendance à creuser au niveau du dos. Il faut bien engager la sangle abdominale. Puis on va bien activer les dorsaux et les dentelés hein, dans cet exercice. Ok. Parfait. On se redresse. Hop. Bien. Pour notre cardio ici, on commence par l'option écarte-serre. D'accord, ça c'est l'option, on remplacera par des jumping jacks, on pivote vers la gauche et c'est des tapes devant, d'accord, écarte-serre face à moi, on pivote vers la droite, tape devant, d'accord, écarte-serre deux fois, tape devant quatre fois, 1, 2, 3, 4, écarte-serre, pivoter, tape sur le côté quatre fois. Option jumping jack, 1, 2, on pivote, ciseau, face à moi, jumping jack, écarte, serre, on pivote de l'autre côté, ciseau, écarte, serre, ciseau, 1, 2, 3, 4, écarte, écarte, ciseau, écarte, écarte, ciseau, écarte, écarte, ciseau, ok, comme ça vous avez toutes les options. On attaque au sol. Hop, on se place pour les montées de bassin. Je replace mon chrono. Et bien on y va. C'est parti. Donc, option avec un seul haltère. Deux montées de bassin. Bras tendus. On allonge. Et on ramène. Deux montées de bassin. On allonge. On ramène. Allez, go. Deux montées de bassin. Allez. Parfait. On pivote sur le côté. On redresse. On y va. C'est parti. Donc, deux jacks, ciseaux. Deux jacks, ciseaux. Deux jumping jacks, ciseaux sur le côté. Hop, et ciseaux, 1, 2, 3, 4, boum, boum, 1, 2, 3, 4, boum, boum, 1, 2, 3, 4. Et option, je marche en écarte-serre et je tape les pieds devant, ok? Très bien, on attaque au sol, montée de bassin, pullover, let's go! Un seul ou deux haltères, hein. Allez, pousse, pousse, et on allonge bien. Bras tendus au maximum. On monte les bras au plafond, je descends les bras vers l'arrière, je ramène l'haltère au plafond et ensuite seulement l'haltère vers le bassin. Parfait. On redresse. Hop. On pivote toujours bien sur le côté pour se redresser. C'est parti. Parfait. Au sol. Hop. Allez, c'est parti.
On redresse. Hop. Allez, un contrôle, hein, la phase où on descend, on revient au sol. C'est parti. Quatrième, au sol, on se place, c'est le dernier, c'est le dernier. Cardio. Allez, go. On accélère. Dernière fois. Boum! Talons fesses, genoux vers le bas, poitrine haute. Amenez la cheville sur la cuisse, reculez les fesses vers l'arrière. Vous pouvez vous maintenir, hein, sur votre voisin, sur un mur, sur une chaise, si vous le voulez. Hop, on redresse, talons fesses. Hop. Cheville sur la cuisse, fesses en arrière. On redresse, hop, croisez la jambe gauche derrière la jambe droite, hop, on monte la main gauche, on étire. On se penche vers l'avant, hop, et on redresse. Croisez la jambe droite derrière la jambe gauche, on monte. La main droite au plafond. Hop. On redresse, on se penche en avant. On redresse. Hop, stretch épaule. Change de côté. Hop. Croisez les doigts derrière. On sort la poitrine. On amène les paumes de main vers l'avant. On tire les bras vers l'arrière. Gerline qui vient voler les chaussures. Hop, parfait, on relâche, on monte les épaules vers le haut, inspire.
Et on souffle. Inspire. Une dernière fois. Parfait.